Bon, mon frère, ma sœur, donc ça c'est le dernier message que vous allez prêcher la parole de Dieu. Donc on en finit pour cette tout le mois de juin là. Donc on va trouver vers le 25 juillet, 25 août là-bas. Parce que j'ai beaucoup de choses donc, à aller à faire cette fois à déplacement, mon frère et ma sœur. J'ai beaucoup de choses à aller prêcher, à enseigner, à aller prier pour les frères et sœurs. Mais aussi des choses à prier pour les frères et sœurs. Simplement. Tout à l'heure, qui revient sur les droits humains. Les droits humains, c'est dans l'ordre. Tu voulais désenseigner la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pas compliqué, mon frère et ma sœur. Tu possèdes la grâce de Dieu. C'est simplement, tu dis merci, Dieu, Dieu, bénis-moi. Et aussi, là, en retour, tu les bénis, le Seigneur. Simplement, tu ne faut pas qu'attendre les choses qui viennent. Tu crois que le Seigneur, il fait tout pour toi. Non, c'est vrai, il faut chercher auprès de Dieu tout ce que tu en as besoin. Comme la parole de Dieu l'a dit, tu ne peux pas simplement nourrir du pain, ni manger. Et aussi, de temps en temps, on jeûne. Nous, on jeûne, mon frère, ma soeur, là. Vous, qui êtes actuellement, mon frère, ma soeur, je suis en journée de jeûne. Donc, mon frère, ma soeur, et aussi, ça fait du bien pour le corps. Ça fait du bien pour l'esprit. Le jeûne, c'est comme mon frère et ma soeur. Tu ne manges pas mal d'une journée. Tu peux boire, simplement. Ça fait du bien. Tu purifies toi devant Dieu. Ça signifie, tu changes. Tu changes, tu es mieux devant Dieu. Tu n'es pas simplement aller manger, mettre au boulot. Non, c'est pas ça. Tu es humilié un peu devant Dieu. Dieu, il va te lever, hein, mon frère. Parce que le Seigneur aime ça. Purifie-toi. C'est pas ton ventre qui te commande aussi, mon frère. Purifie-toi devant Dieu. Par l'esprit. L'esprit aussi, il en a besoin du repos. Et le cerveau aussi, il en a besoin du repos. Et ton corps aussi, ça te fait du bien pour te dégraisser. Comme les gens l'ont dit à ce moment, on a l'époque d'été, c'est ça? L'époque des régimes. Jeûne-toi, c'est pas beaucoup, mon frère et ma soeur. Tu peux faire moins de semaine, il faut pas faire pas comme nous. Parce que nous, il faut faire tous les mois de juin, mon frère et ma soeur. On commence les 20. Donc moi, je commence ce matin. Simplement, je reviens sur les choses que vous allez prêcher la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu que je dis, Dieu est bon, aime l'ordre. Parce qu'il nous a bénis. Nous a bénis par son Fils unique. Nous, on semble à l'image de Jésus. Et Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. C'est pas un Dieu de désordre. C'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On est là aujourd'hui. C'est par cet amour du Seigneur Jésus-Christ qu'on est vivant, mon frère et ma soeur. Même un jour, notre air, on laisse. Parce que l'obligation, c'est la nature. Il faut laisser la place aux jeunes générations futures. Moi-même, un jour, je laisse la place à mes petits-enfants, en arrière de mes petits-enfants. Donc, mon frère, simplement, si vous l'allez dire, Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. C'est pas un Dieu de désordre. Parce que le Dieu du désordre, des fois, c'est ton enfant, il est en n'importe qui, il dit qu'il faut faire ça, faire ça. À ce moment, j'ai un pasteur, donc un homme de Dieu. Donc, les gens allant fiancer mes enfants, allant fiancer par les gens de l'extérieur. Oui, ton père ne faut pas faire ça, faire ça. Mon frère, ma soeur, il y a le défi d'être chrétien, ce n'est pas toujours drôle. Il y a le défi à faire. C'est pour ça que je suis devant vous, simplement enseigner cet amour et c'est l'ordre, les droits humains. Les droits humains, tu n'as regardé, tu fais n'importe quoi. Tu ne fais pas ta volonté. On a les pères en dessous de nous. Tout ce qu'on fait sur cette terre, le Seigneur nous voit en haut. Lèvez-vous vers le ciel un peu. Pourquoi on y en a? Lèvez-vous vers le ciel. Le ciel est bleu, mon frère et ma soeur. Dieu aime ces choses-là. Ça signifie quoi, pasteur? Lèvez le ciel, droit, chemin. Simplement. J'ai fini pour prêcher la parole de Dieu aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Simplement. Je vous remercie déjà d'avance pour tout ce que vous faites depuis que le mois de juin et tout ça. Mois de juin, mois de mars, tout ce que vous avez fait pour moi, par la prière, par la grâce, tout ce que vous avez fait pour ma famille, c'est par vous, mon frère et ma soeur, qu'on est béni, ma famille et moi. C'est par vous, mon frère et ma soeur, que c'est par la grâce que vous allez prier auprès de Dieu, intercéder auprès de Dieu, qu'on est là. C'est par cet intercéder, mon frère et ma soeur, qu'on est là. Simplement, je vous remercie. À mon tour, je vous le dis, que Dieu vous bénisse chacun, que Dieu vous garde, mon frère et ma soeur. Peut-être on trouve vers 25 août là-bas ou les 1er septembre, mon frère. Peut-être si jamais je n'ai pas beaucoup de choses à faire. Simplement, c'est par la grâce de Dieu qu'on cherche, qu'on aime. C'est par la grâce de Dieu qu'on cherche, qu'on aime. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant Seigneur, pour cette 20 journée, papa, je te mets entre tes mains, tous mes frères et soeurs, à partir de tout cet internet, papa, le site internet qui touche les cœurs, ça touche les cœurs de ses enfants, hein, qui touche les cœurs celles qui voient les vidéos, papa, qui touche les cœurs celles qui ont besoin de la parole de Dieu, Seigneur. Papa, pas tout le monde, comme j'ai répété chaque fois, tout le monde ne peut pas aller à l'église, Seigneur. Tout le monde n'est pas Seigneur. Il y a des gens qui sont malades, papa. Ils ne peuvent pas bouger. C'est mis entre tes mains, Seigneur, à partir de cette vidéo. Fais le miracle. Ça touche les cœurs de ces gens qui sont malades, papa. Qui touche les cœurs, celles qui en ont besoin, Seigneur Jésus-Christ. Touche les cœurs, Seigneur.
Et tout l'esprit de maladie, c'est ceux qui sont déjà vaincus, Seigneur Jésus-Christ. À travers de cette vidéo, papa. C'est toi, Seigneur, qui l'as donné le miracle. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu la maladie, papa. Comment on ne peut pas dire, ne crois pas à ton Saint-Nom, Seigneur. Parce que les boîtiers, ils marchent, les aveugles, ils voient, Seigneur. Tout ça, Seigneur, c'est bénédiction, Seigneur. C'est pas la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, Seigneur. Tu nous as bénis, Seigneur, simplement. C'est venir devant toi pour t'intercéder pour les frères, Seigneur. Celle qui en a besoin, Seigneur, pour eux, qui celle qui est malade, cet après-midi, Seigneur, qui touche les cœurs, qui viennent, Seigneur, qui sont guéris, cette terre-ci, où eux que je suis. Par ma façon de parler, ma façon de prier, Seigneur, qui ça touche son cœur. Ça touche les cœurs, Seigneur. Oh, papa, ça vient du cœur, Seigneur. Ça vient pas de l'apparence. Ça vient du cœur, Seigneur, de tout puissant. C'est pour ça que je viens cet après-midi, Seigneur, pour te le dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous depuis que la nuit des temps. Merci pour la bénédiction, Seigneur. Et surtout, merci pour ma maison, Seigneur. C'est ton domaine, Seigneur Jésus-Christ, dans cette maison. Comme je répète, papa, c'est prophétisé, Seigneur, celle qui franchit la porte, qui rentre dans la maison des pasteurs pour vous. Ils sont bénis, Seigneur, à la sortie de cette maison. Parce qu'il a reçu une bonne chose, Seigneur. Parce que c'est prophétisé ta présence dans cette maison à aujourd'hui, Seigneur. Le 21 avril, 21 juin 2010, Seigneur. Je répète, le 21 juin 2010, Seigneur. Il est 16h20, Seigneur. Simplement, merci pour cette grâce. Sois béni. Amen. Les frères et sœurs, c'est Dieu seul qui peut nous aider. Soyez bénis.